Je vous propose que nous commencions ce webinaire, dont le thème est la technologie au service de la pédagogie, et nous allons surtout aborder les écosse. Pour cela, aujourd'hui, je suis votre modérateur, c'est-à-dire que je vais présenter Francis qui va intervenir dans très peu de temps. Et puis, je vais collecter aussi vos questions et les poser à la fin de ce webinaire à Francis. Donc, Francis Béguec, qui est ingénieur d'application chez Laerdal, dans l'entreprise Laerdal, qui est infirmier et qui a travaillé pendant 18 ans à la BSPP, Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dont 6 années dédiées à la simulation. Il a aussi beaucoup œuvré donc justement dans l'univers de la simulation. Il a par ailleurs un DU de simulation et s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé aux écosse. C'est pour ça qu'il va nous faire partager ses connaissances sur ce sujet. Pour le bon déroulement, notamment technique, de ce webinaire, tous les participants sont en statut micro-coupé, ceci afin d'éviter les bruits parasites. Les enfants qui pleurent, les messages reçus. Ça évitera un petit peu ces interactions. Votre vidéo est désactivée aussi, bien évidemment, pour limiter les problèmes techniques, notamment au niveau de la bande passante. Merci, grand merci à vous d'utiliser la messagerie, donc QR, que vous devez avoir en bas de votre écran pour poser vos questions. Moi, je serai en charge de compiler ces questions de manière à les poser à la fin. Donc, si vous n'avez pas une réponse immédiate, sachez que votre question sera encore une fois compilée et j'aurai le loisir de les poser à la fin de cette session à Francis, en fin de présentation. Et enfin, donc, ce webinaire est enregistré et nous vous enverrons bien évidemment un lien vers cet enregistrement à l'issue de cette conférence. Laerdal, vous le savez, est à vos côtés depuis longtemps et notre propos, c'est de vous aider à sauver des vies. Il ne me reste plus qu'à confier le micro à Francis. Merci à tous et à tout à l'heure. Un grand merci Gérard pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques remerciements de ma part à Slémane Moore, qui est un de nos spécialistes SimCapture, qui est basé et écosse, qui est basé au Liban. Un grand merci à Paul Fox-Leiter, qui est notre spécialiste éducation, lui qui est australien. Avec des équipes australiennes qui ont développé beaucoup, beaucoup de produits et de schémas d'examen passionnants utilisant les écosse ou les OSCI, comme ils les appellent. Gérard, je te remercie une nouvelle fois pour cette introduction. Et puis, deux merci un peu plus personnels. Un pour les équipes des DU parisiens ainsi que les équipes d'Amiens qui, effectivement, m'ont aider à mettre beaucoup de mots sur la pédagogie et à vraiment ouvrir mes visions là-dessus. Et puis un merci également à l'équipe du MTC de Rouen, qui a eu la gentillesse de m'inviter à certains de leurs écosses, ce qui m'a permis aussi de comprendre un peu mieux comment ça se déroule dans la vraie vie et quels sont les enjeux d'organisation en particulier qui y sont liés. On va attaquer le contenu en lui-même avec deux questions clés qui sont qu'est-ce que c'est qu'un écosse et puis quels sont les enjeux actuels qu'on rencontre autour des écosses, quels sont les non pas les problématiques, mais on va dire les complexités que les équipes de formateurs ont à traiter pour l'organiser dans les meilleures conditions. Et pour mettre un tout petit peu d'interactivité, on va faire un petit quiz ensemble avec deux questions très simples, hein. Et normalement, dès que Delphine va les activer, elles doivent s'afficher. Donc la première question, histoire que je comprenne un petit peu également et que j'adapte le discours, est-ce que vous êtes venu parce que vous avez des interrogations très précises sur les écosse, vous en organisez, vous connaissez bien le principe, ou au contraire, est-ce que c'est un peu dans une option de découverte que vous nous rejoignez? Et puis, pour ceux et celles qui organisent ou qui ont participé à des écosse, bien, à votre avis, quels sont
La liste n'est pas exhaustive, hein, c'est les principaux items, mais parmi ces quatre items, quel serait celui qui vous semble le plus compliqué à gérer au quotidien dans l'organisation? On va vous laisser quelques petites secondes pour répondre. Et ensuite, Delphine, que j'ai oublié de remercier, qui est notre responsable communication et qui s'occupe en particulier de tout ce qui a trait à notre site internet et à l'organisation de ces webinaires, devrait pouvoir nous afficher les réponses. Alors, normalement, tout le monde doit voir le résultat des questions et on voit qu'il y a une bonne moitié, plus de la moitié des participants bah, qui finalement sont aussi là dans un but de découverte et puis l'autre moitié qui connaissent bien le principe ou qui en organisent. Et puis, dans ce qui paraît le plus complexe, c'est la gestion de la logistique parce qu'effectivement, on va en discuter longuement. Enfin, on va aller à l'essentiel, mais on va en discuter ensemble en tout cas. C'est effectivement un point qui est complexe à mettre en place. Merci à toutes et à tous pour vos réponses. Et maintenant que j'ai ça en tête, on va pouvoir attaquer la présentation en elle-même. Alors, qu'est-ce quoi que les ECOS? Examen clinique objectif structuré, c'est un concept qui n'est pas si récent. On a tendance à croire que c'est quelque chose de très nouveau. C'est quelque chose qui a été utilisé en 72 et puis décrit de manière un peu plus profonde. En tout cas, les bases vraiment ont été posées dans la littérature par l'équipe du professeur Arden en 75. Monsieur Arden, qui est un Anglais, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a exercé aux États-Unis, qui est le président d'une des grosses associations de pédagogie médicale, puis qui accessoirement est professeur honoraire maintenant aussi dans le Golfe, en Arabie Saoudite, ce qui explique pas seulement, mais ce qui peut expliquer en partie le fait que la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, soit extrêmement on a, pas en avance, mais qui a un développement très fort des ECOS actuellement dans ces régions, qui a beaucoup de publications en rapport. L'idée de ces ECOS, on pourrait utiliser le modèle de Miller. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une pyramide, comme souvent dans les modèles pédagogiques. Et dans cette pyramide, la partie supérieure de la pyramide explique que bah, plus que de dire qu'on sait, c'est important de montrer qu'on sait faire. Et donc, l'intérêt des ECOS, eh bien, c'est de permettre aux étudiants de montrer qu'ils savent faire, de démontrer leurs compétences cliniques lors d'ateliers, qui du coup sont des ateliers pratiques pour la plupart d'entre eux. Pourrait se poser la question, vous l'avez dit, la logistique est compliquée à gérer. Du coup, pourquoi est-ce qu'on s'embête à organiser des épreuves avec des logistiques aussi complexes? Eh bien, ça permet de vérifier que les étudiants vont acquérir des compétences au long de leurs études, de faire des vérifications de l'acquisition des compétences. Et puis, finalement, pour évaluer des compétences cliniques, eh bien, c'est une des méthodes, si ce n'est la méthode, qui est la plus efficace et la plus juste pour pouvoir scorer quelque part, ou pouvoir affirmer qu'un étudiant maîtrise ou pas une compétence, en tout cas dans le cadre de l'examen. Ça permet également de donner du feedback aux étudiants, alors un anglicisme, mais de leur faire un retour sur ce qui a été observé et donc qu'ils puissent avoir une vision pratique par un expert du domaine sur ce qu'ils ont bien fait et sur leurs éventuelles pistes d'amélioration, avec l'identification de leurs forces et de leurs faiblesses. Et ça, c'est permis par la variété des ateliers qui vont constituer le parcours de cet examen clinique objectif structuré. Du coup, c'est une méthode qui paraît extrêmement, extrêmement intéressante. On ne peut pas quand même s'empêcher de réfléchir à chaque fois qu'on met en place une méthode, quels sont ses avantages et quels sont ses désavantages. Les avantages, c'est qu'on va pouvoir proposer des ateliers qui sont uniformes pour les candidats. Et donc, dès maintenant, on peut mettre en avant cette notion d'équité. Une possibilité, bien évidemment, de le faire sans avoir de vrais patients et donc
d'éviter eh bien, de s'entraîner ou de vérifier que les gens savent faire en piquant une vraie colonne vertébrale pour une ponction lombaire, par exemple, ou en ayant un entretien d'annonce de mauvaises nouvelles avec une vraie famille ou un vrai patient sans s'être entraîné dans des conditions proches du réel avant, et d'avoir pu vérifier dans des conditions proches du réel que l'étudiant disposait des bons outils pour se livrer à l'exercice. Les feedbacks, on l'a évoqué, et on va pouvoir avoir des retours d'expérience, des candidats bien sûr, des instructeurs qui ont observé la prestation du candidat, mais également dans le cadre où on utiliserait des patients standardisés, c'est-à-dire des acteurs qui vont jouer le rôle du patient pendant l'atelier. Ça se prête très bien aux entretiens d'explicitation thérapeutique ou aux entretiens d'accueil ou encore aux annonces. Et bien, ces acteurs vont aussi pouvoir faire un retour sur leur ressenti par rapport à la prestation qui a été donnée par l'étudiant. Les ateliers sont adaptables au niveau. On va mettre le curseur du niveau de difficulté par rapport au niveau de connaissance et à l'avancée dans les études de l'étudiant. Et tout ceci va nous permettre de générer beaucoup, beaucoup de données. Des données qui vont nous permettre à la fois, bien entendu, de scorer, de dire si l'examen est réussi ou pas dans un cadre certificatif, au contraire, plutôt en complément, de donner des informations sur les forces et faiblesses de chacun, mais c'est aussi des données qu'on pourra exploiter pour valider, chercher, tracer, qualifier la robustesse de l'examen, le niveau d'excellence des patients standardisés, le respect des scripts, etc., etc. On adore avoir de la donnée, mais effectivement, ça occasionne des désavantages, ce type d'examen. L'organisation est complexe. Il faut ce qu'on appelle un gardien du temps, de manière à être sûr que chaque étudiant a les mêmes conditions d'examen, que l'équité est respectée. Il faut gérer le flux des étudiants, de manière à ce qu'ils ne se croisent pas entre ceux qui sortent d'un atelier et ceux qui vont rentrer dans le même atelier, pour qu'ils n'échangent pas trop d'informations à ce moment-là, qu'il n'y ait pas des blocages dans la file qui soient trop importants. Il faut former les patients standardisés pour que, bah, comme leur nom l'indique, ils donnent des prestations standards et que donc qu'il n'y ait pas de variation trop importante entre un examiné et un autre quand ils se confrontent à cet acteur qui joue le patient. Il y a bien évidemment des différences entre la vraie vie et l'examen. Comme dans toute activité de simulation, malgré tous les efforts et malgré tout le matériel, le contexte, l'environnement qu'on met en place, eh bien, ça reste un faux patient, ça reste une fausse colonne vertébrale ou un faux bras à perfuser. Vous le savez, l'étudiant le sait et l'étudiant, comme souvent, a tendance à chercher davantage ce qu'attend l'examinateur plutôt que ce qu'attend le patient qu'il a en face de lui. Donc, quelques différences. Ça génère du stress. Les examens génèrent du stress. Il faut prendre en compte celui des étudiants. Il y a de plus en plus de publications d'ailleurs qui font référence. J'en ai mis quelques-unes en fin de présentation, mais c'est loin d'être une liste exhaustive. On part du principe, bien évidemment, que si on évalue de manière certificative les étudiants avec cet outil, eh bien, il faut d'abord qu'ils aient eu l'occasion de s'entraîner de manière formative avec ce même outil, qu'on puisse faire la part des choses. Est-ce que leur prestation a été en deçà de l'attendu parce qu'ils n'ont pas acquis les compétences nécessaires pour exercer leur métier ou parce qu'ils ont été surpris, stressés plus que la normale par les conditions de l'examen qu'ils découvraient ce jour. Et puis enfin, dans les désavantages, un coût élevé, un coût matériel, bien sûr, il faut des locaux, il faut de l'équipement, il faut des simulateurs procéduraux, il faut des couloirs bien aménagés, il faut des fléchages, il faut du matériel vidéo, si vous souhaitez, on en discutera, ça peut être intéressant, enregistrer les séances, et puis il faut des ressources humaines, il faut des formateurs pour encadrer tout ce monde, il faut des gens pour observer ce qui se passe et remplir les grilles de notation, les grilles d'observation. Il faut des patients standardisés quand on a des ateliers avec des acteurs. Il faut un directeur d'examen qui soit garant du bon déroulement de l'ensemble et de la justesse de l'examen. Des enjeux importants et pas que administratifs, parce qu'effectivement, il y a
Il y a la mise en place des ECOS qui va devenir obligatoire pour les études de médecine, qui devient de plus en plus fortement préconisée pour les études paramédicales. Mais les enjeux, c'est avant tout, pour ce type d'examen, un enjeu de traçabilité, un enjeu d'équité, un enjeu de qualité. Il faut qu'on puisse affirmer, quand on fait du certificatif, que nos objectifs pédagogiques, ils ont été bien définis, ils sont objectivables, ils sont mesurables, qu'on peut aller à rebours, vérifier que ce qui s'est passé pendant l'examen, eh bien, le déroulement était suffisamment conforme aux règles de bonne pratique pour que l'examen soit valide, qu'il soit pas annulé, qu'on puisse vérifier que tous les étudiants ont eu les mêmes conditions d'examen. Surtout qu'on commence à parler d'épreuves classantes, par exemple, hein, avec les étudiants en médecine, qui pour partie seraient faits en format ECOS. Donc, quand il y a un enjeu aussi important, eh bien, il faut qu'on soit sûr que les conditions soient optimales. Et enfin, la qualité des encadrants, la qualité des acteurs, la qualité des grilles d'observation. Tout ceci, mérite une attention extrême afin que les étudiants soient dans des conditions d'examen optimales. Le certificatif, le formatif, je me répète un petit peu, mais ça me paraît important. Il me paraît, je ne suis pas le seul à le dire, hein, il me paraît un peu délicat de faire directement du certificatif sans que les étudiants aient pu s'habituer au concept dans le cadre formatif. Des enjeux importants pour les études paramédicales. Beaucoup, beaucoup de développement à l'international sur les ECOS dans le milieu paramédical, formation infirmière, aide-soignante, auxiliaire de puériculture, ambulancier. Beaucoup d'avancées dans ce domaine. Alors, le Canada, bien sûr, mais aussi la zone Asie-Pacifique, la zone Afrique, la zone Moyen-Orient, les États-Unis, l'Europe, nos voisins proches, et la France, sont en train de travailler sur ce sujet. Avec l'apparition de nouvelles stratégies. Je réponds un petit peu en anticipation sur la question des ressources humaines. De plus en plus, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut organiser ce type d'examen, peut-être en partie à distance. Ça se prête pas mal pour tout ce qui est entretien thérapeutique, par exemple. Peut-être avec de la formation entre pairs, sans doute pas pour le certificatif, mais pour le formatif. On pourrait imaginer que les étudiants s'encadrent entre eux, se regardent entre eux, s'observent entre eux et derrière discutent de leurs prestations. On pourrait même imaginer que les étudiants, eh bien, s'auto-forment. Ce film en train de faire un geste, par exemple, et derrière, via la grille d'observation fournie par les encadrants, eh bien, puissent s'auto-analyser, analyser leurs pratiques et réfléchir aux éventuelles divergences qu'il y a entre la fiche pédagogique, le guide de bonne pratique et la prestation qu'ils ont fait devant l'œil de leur téléphone portable, par exemple. Avec cette question évidente qui est que on est tous d'accord, enfin je pense, j'espère, n'hésitez pas à lever la main ou à le mettre dans le chat si vous n'êtes pas d'accord, mais on veut tous faire bien. Et puis, on a tous la contrainte de faire pas cher, parce que les budgets ne sont pas illimités. En France, le système de santé, on le sait, rencontre des difficultés financières importantes, et le système éducatif lié au système de santé n'a pas non plus des budgets illimités. Du coup, d'universités, beaucoup d'écoles ont choisi d'avoir des installations fixes, mais qui ne sont pas forcément suffisamment dimensionnées pour accueillir l'ensemble des étudiants lors d'un examen, d'une promotion entière, et elles complètent ces installations fixes par des installations temporaires qui permettent du coup d'installer à petit prix des salles supplémentaires le jour de l'examen. Pour ceux et celles qui n'étaient pas trop familiers sur l'organisation d'un ECOS, généralement, il y a trois grands types de rôles lors de ce type d'examen. Il y a le participant, donc l'élève, l'apprenant. Lui, il a des missions, sa mission principale, c'est de passer dans les différents ateliers et dans chaque atelier d'accomplir la tâche qui lui est assignée. Ce sera après avoir accepté un code d'honneur ou les règles d'examen. On va lui demander de certifier qu'il a bien compris le tenant, les aboutissants de l'examen qu'il est d'accord avec. Il va recevoir pour chaque atelier un briefing, une explication du patient qu'il va rencontrer, de la tâche qu'il a à accomplir, des attendus. Et enfin, on peut lui demander également de remplir une évaluation. Ça peut être avant l'atelier pratique, ça peut être après l'atelier, ça peut être un QCM, ça peut être un test de concordance de script. Là, les équipes pédagogiques ont un panel à leur disposition. Et ça peut intervenir en complément de l'observation pour établir sa notation. Le patient standardisé.
Lui, c'est un acteur qui est formé au rôle du patient et il va également remplir une évaluation où il va observer ou décrire eh bien, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a observé de la part de son soignant. Et puis, les observateurs, le collège pédagogique, le collège universitaire, qui eux ont un regard expert, qui vont observer. Ça peut être d'ailleurs en direct ou ça peut être a posteriori via un enregistrement vidéo, la prestation de l'élève. Ils vont remplir une évaluation en regard de cette observation. Ils vont éventuellement d'ailleurs également compléter ça par un débriefing des élèves à l'issue de l'évaluation, en particulier quand c'est dans un cadre formatif. Le déroulement typique, l'étudiant il arrive à la porte de la chambre, il va accepter le code d'honneur et il va consulter le briefing. Il va rencontrer son patient ou son simulateur procédural. Il va faire les tâches qui lui ont été assignées et ensuite tout le monde va remplir les évaluations qui ont été décidées. Et du coup, on va pouvoir récupérer ces données d'évaluation. Éventuellement l'auto-évaluation du participant, l'évaluation en direct par le patient standardisé, l'évaluation en direct ou en différé de l'observateur, et puis le corps professoral peut également évaluer plus tard. Il peut reviewer les prestations des participants, il peut aussi faire de l'assurance qualité, pourquoi pas en observant les différents patients standardisés a posteriori, de manière à dire ces patients standardisés, ils ont bien suivi le script, ou au contraire, il faut qu'on les reforme, les patients standardisés A et B n'ont pas suivi d'une manière suffisamment stricte le script de l'examen, et donc il y a besoin d'une reformation à ce niveau-là. Donc on va pouvoir faire aussi bien du reviewing sur la prestation de nos élèves qu'également sur la prestation de nos patients standardisés ou de nos observateurs. L'idée de tout ça, c'est de pouvoir s'assurer de la qualité de l'examen. Typiquement, un couloir d'Écosse, ça ressemble à ça. Il y a plein de petites pièces. Et à l'entrée de chaque petite pièce, on va pouvoir valider le fait qu'on rentre. Alors, ça peut se faire sur ordinateur, ça permet on va dire, d'être plus facile et plus traçable, mais ça peut se faire papier-crayon avec un humain à l'entrée de la pièce. On va valider son entrée, on va accepter les conditions d'examen, on va prendre son briefing, on va rentrer dans la salle et on va derrière accomplir ses missions. Et puis une fois qu'on a fini avec le premier atelier, eh bien, on va sortir, on va aller dans le deuxième, puis un autre étudiant va rentrer dans le premier. Comme ça, ils vont se succéder de salle en salle jusqu'à ce qu'ils aient tous rempli toutes les missions qui leur sont assignées. Typiquement, on peut imaginer des systèmes avec 8, 10, 12, 16 salles, pourquoi pas, où ils vont passer donc d'atelier en atelier. Dans la salle d'examen, il faut un timekeeper, il faut un gardien du temps. L'idée, c'est que si on a décidé que c'était 15 minutes pour accomplir les tâches, eh bien, il ne serait pas normal qu'un étudiant ait droit à 18 minutes, par exemple, si tous les autres n'ont eu que 15. Et donc, le timekeeper, encore une fois, ça peut être un humain avec un chronomètre et un crayon, mais ça peut aussi être l'ordinateur du système qui va, une fois que l'étudiant a fini, a accepté le briefing, eh bien, va lancer le timer. Une fois que l'entretien est terminé, eh bien, on va remplir les évaluations, encore une fois, soit papier-crayon. Et vous l'aurez compris, nous, on tend à vous proposer d'utiliser le même ordinateur pour qu'on puisse remplir les évaluations et tout injecter dans le système. Il y a un directeur d'examen, comme pour tout examen aussi important. Et donc, le directeur d'examen, ce qui est important, c'est qu'il puisse suivre l'ensemble des épreuves en cours, qu'il puisse avoir un retour en permanence pour vérifier que tout se déroule bien, qu'il n'y a pas de blocage à un endroit ou à un autre, que les flux d'étudiants sont bien respectés. Et puis, si jamais il y a un blocage qui est identifié quelque part, eh bien, qu'on puisse synchroniser les autres stations et aller résoudre le problème sans que ça devienne chaotique dans les couloirs. Donc là, un exemple de ce que pourrait voir le directeur d'examen depuis son poste de pilotage. En fait, la représentation virtuelle des différentes salles et des avancées des examens dans chaque salle vont correspondre physiquement bien aux différentes stations d'Écosse qui sont aménagées. Vous
vous aimez les données, on aime tous les datas, on passe notre temps à en collecter. C'est effectivement fondamental parce que si on n'a pas de données, eh bien on ne peut pas rechercher, on ne peut pas étudier, on ne peut pas définir finalement quels sont les axes d'effort, quelles sont les réussites, les faiblesses du système, vers où est-ce qu'il faut qu'on mette les prochaines ressources pour améliorer l'ensemble. Les datas peuvent prendre plusieurs aspects. Alors, l'aspect le plus classique, c'est qu'on va trouver, compilés dans le système, eh bien, les résultats des différents élèves aux différents ateliers avec les scores qui vont correspondre aux pondérations des grilles d'observation ou des QCM qui ont été définies par l'équipe pédagogique. Mais on peut également trouver de la data sous d'autres formes. On va pouvoir trouver de la data en termes d'analyse qualitative des réponses aux questions. Et on peut le faire par étudiant, mais on peut le faire par groupe, ce qui va nous permettre de voir que telle promotion, par exemple, eh bien, ils se sont tous plantés sur telle question. On va assez rapidement avoir une bonne idée des axes d'effort sur la reformation qu'il va falloir qu'on leur prodigue, ou la réflexion sur pourquoi est-ce qu'a priori, avec les éléments qu'on leur a donnés en cours d'année, eh bien, sur ce point-là, ils sont très en deçà des attendus. Et la majorité de la promotion, par exemple, n'a pas compris ce qu'on leur demandait sur ce point-là. Les systèmes, on va dire, modernes, les systèmes de stats qui peuvent être intégrés d'ailleurs au système global, vont permettre de sortir des indicateurs de différentes formes. Donc, soit sur les résultats des évaluations en eux-mêmes, soit également pour les systèmes qui sont dotés de systèmes vidéo, ça permet de taguer les vidéos, c'est-à-dire ça permet aux observateurs de mettre des annotations directement sur le flux vidéo, de relier l'évaluation par ailleurs à ce même flux vidéo, mais pour avoir une espèce de copie d'examen un peu tout intégrée où on aurait la prestation filmée, les différentes évaluations remplies et les annotations. L'intérêt des annotations, c'est que ça permet de revenir facilement sur les endroits clés, sur les moments qu'on souhaite éventuellement revisionner. Ça permet également de faire de la data sur une promotion en termes de nombre de fois où les annotations ont été utilisées sur un scénario donné. Par exemple, si on sur un scénario, je prends un exemple qui me parle sur un arrêt cardiaque par exemple, mais si on estime que la libération des voies aériennes doit être faite dans 100% des candidats qui passent sur cet atelier, on s'aperçoit qu'elle n'a été observée et annotée que 87 fois sur les 100 passages, eh bien, on sait que sur ce point-là, eh bien, on a 87% d'atteinte de l'objectif, et peut-être que sur un autre objectif qui pourrait être la ventilation avec de l'oxygène dans un contexte hospitalier, alors je dis ça vraiment à titre d'exemple, hein, ben, on n'a que 23%. Donc, on pourrait se demander pourquoi est-ce que 87% de nos étudiants n'ont pas pensé à brancher l'oxygène sur l'insufflateur au moment de faire les insufflations. Là, je passe un peu plus rapidement, c'est pour donner des exemples de possibilités. Avant qu'on passe sur les nouveautés, je vais me permettre de faire un tout petit break pour répondre à une question de M. Doucet. L'évaluation plus tard, c'est suite à un enregistrement? Tout à fait. Si on veut pouvoir évaluer a posteriori, il faut qu'on ait un enregistrement. Se contenter de la mémoire visuelle du formateur, de l'examinateur, pour remplir une grille d'observation a posteriori, et quand je dis a posteriori, c'est plusieurs heures ou plusieurs jours plus tard, ça me paraît assez difficile. Et donc, bah, soit l'observateur y remplit en direct ou juste après la grille d'évaluation, on va dire en observation directe, soit la prestation est enregistrée, et ça permet derrière de la revoir à tête reposée et de l'évaluer. Ça permet même d'ailleurs de l'enregistrer, ça va permettre aussi à plusieurs examinateurs d'évaluer la même prestation. Ce qui nous permettra de vérifier que sur un panel d'évaluateurs, eh bien, on a des évaluations qui sont à peu près cohérentes les unes envers les autres. Sinon, bah, on se demandera pourquoi. Ça permet également le fait d'enregistrer les prestations de nos élèves, eh bien, de faire le reviewing ou la relecture à distance, mais pas forcément à distance seulement temporelle, aussi à distance physique.
qu'on peut tout à fait imaginer que vos 23 formateurs, ils n'aient pas forcément tous la possibilité d'être présents physiquement sur site pour regarder les prestations ou les vidéos. Mais on a des systèmes maintenant qui leur permettent de les regarder chez eux ou au bureau et de faire leurs évaluations et leurs annotations, un peu comme ils reliraient leurs copies d'examen dans leur bureau plutôt que directement dans l'amphithéâtre. Quelques mots sur ce qu'on va proposer comme ce qu'on propose comme nouveauté déjà depuis 2021 et qui maintenant sont solidement, on va dire, techniquement efficaces. La possibilité de faire du peer-to-peer ou de faire de la simulation procédurale facile chez soi, par exemple pour les étudiants, en pair-à-pair ou en auto-formation. La possibilité de faire tout ou partie des écoles, sont probablement partie plutôt que tout, mais en tout cas d'utiliser des systèmes légers type PC, webcam, pour soit équiper des salles supplémentaires, soit pour que les étudiants équipent leur logement, ou pour que les patients standardisés restent chez eux avec leur ordinateur portable plutôt que de venir à la faculté. Et puis le pendant finalement de toute cette mobilité, de tous ces systèmes à distance, eh bien, c'est de pouvoir utiliser non plus uniquement des ordinateurs, mais également des téléphones portables ou des tablettes via des applications pour pouvoir soit reviewer, soit enregistrer en direct des flux vidéo. Tout ceci, toutes ces innovations, elles reposent sur le principe de ce qu'on appelle l'architecture cloud. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui utilisent déjà des systèmes cloud, Office 365 par exemple, ou d'autres systèmes. L'idée, c'est que les données, elles sont plus archivées localement sur une grosse machine qui est au sous-sol du bâtiment, mais ça transite par Internet et c'est enregistré dans des serveurs sécurisés qui sont positionnés pour la zone européenne, en France ou en Europe, en France, en Allemagne par exemple, de manière à être compatible avec les normes RGPD. Qu'est-ce que ça change, le fait de pouvoir faire les écosses à distance? Alors, en fait, pratiquement rien. Si ce n'est que, au lieu de mettre votre examen dans une salle réelle, avec un patient, un acteur, eh bien, l'étudiant et l'acteur vont pouvoir se rencontrer via une salle virtuelle, et donc ils vont se parler par webcam. Ça ne permettra pas de faire effectivement de la simulation procédurale, donc les épreuves où on voulait voir une ponction lombaire, un pansement de cathé en stérile ou la mise en place d'une sonde gastrique. Ce sera plus compliqué, pas forcément impossible, mais plus compliqué, mais une application très simple et évidente, c'est tout ce qui va être entretien patient. C'est aussi des systèmes qui sont intéressants pour s'entraîner à la télémédecine, par exemple. Ils vont se connecter à leur salle virtuelle via leurs ordinateurs portables, serveurs sécurisés, cloud, et les examinateurs vont pouvoir, exactement comme avec une salle réelle, bien voir eux les deux écrans, soit en direct, soit en différé, et remplir les grilles d'évaluation. De la même manière, on pourra mettre le timekeeper et à la fin de la rencontre, le patient standardisé et l'élève vont avoir leurs évaluations à remplir directement sur le même ordinateur et c'est envoyé sur le serveur qui va compiler les résultats. En termes de planification, on peut tout à fait planifier un mélange d'ailleurs de salles virtuelles et de salles physiques. Donc, sur notre écran de contrôle, le corps professoral, eh bien, il aura par exemple 4 salles physiques et puis 5 salles virtuelles qui seront constituées par des ordinateurs portables qui se loguent entre eux. L'intérêt, c'est qu'on va garder la même qualité en termes de sécurité, de traçabilité. On pourra toujours utiliser exactement la même interface pour remplir les annotations, les évaluations par rapport à ce qui se serait fait physiquement sur le bâtiment. C'est enregistré sur le serveur cloud qui est bien entendu propre à l'institution. Chaque institution a son serveur et les autres institutions ne peuvent pas y accéder. Et puis, l'accès mondial, c'est-à-dire que notre patient standardisé, il peut être en France, mais il peut être n'importe où dans le monde, notre évaluateur également et notre candidat également. Notre innovation que nous permet le système cloud et la puissance qu'offre Internet maintenant, eh bien, c'est de pouvoir faire de l'enseignement pair à pair
qui n'est plus forcément dans les locaux de la fac de médecine ou de l'IPSI. On a un étudiant qui va pouvoir se connecter avec ses identifiants sur le serveur de l'institution, qui va pouvoir avoir accès à différents documents, vidéos par exemple, une vidéo d'explication avec les bonnes pratiques, puis un exemple de grille d'observation utilisée par ses formateurs, un exemple de fiche technique sur un geste à réaliser. Et puis l'étudiant derrière, eh bien avec des petits modules assez portatifs, très simples, qu'il peut ramener chez lui. Il va s'enregistrer lui-même, en train de faire les gestes ou les exercices, et derrière, il va pouvoir s'auto-évaluer ou se faire évaluer par un formateur et ou se faire évaluer par un pair. Et du coup, on va retrouver la même facilité d'utilisation du système et la même facilité de collecte des données. Sauf que on n'est pas obligé de bloquer les étudiants à l'école, ça ouvre en termes de logistique des facilités. Ce sera les dernières slides de mon intervention pour vous donner un petit exemple concret de ce que permet le système. Alors, bien évidemment, là je présente le système LaRDAL, le système SIM Capture, mais c'est pas les pistes de recherche de nos différents concurrents vont dans le même sens. Toutes les industries actuellement tendent vers des outils de facilitation des écosses, de facilitation de la collecte des données par les formateurs, de la traçabilité et de la protection des données sur des serveurs du coup qui ne sont pas sujets aux pannes qu'on pourrait avoir sur des serveurs physiques dans un bâtiment. Là, c'est un petit exemple de nos camarades de l'équipe LaRDAL Inde qui ont donné leur concours, qui ont modestement participé à la mise en place d'une formation pédiatrique et néonatale sur les urgences. Donc l'idée, c'était de pouvoir entraîner à distance les médecins et les paramédicaux pour prendre en charge des urgences néonates et pédiatriques. Initialement, c'est une formation qui avait été prévue en présentiel, mais c'est tombé en plein pendant la crise Covid, et du coup, ils ont cherché une solution pour le faire en distanciel, avec une dizaine de scénarios qui allaient de la néonate avec la nécessité de dégager les voies aériennes, de prendre en charge des convulsions du nouveau-né ou encore le transport d'un prématuré. Puis des scénarios pédiatriques assez classiques mais hyper importants. Qu'est-ce qu'on fait devant une crise d'asthme aiguë grave, un arrêt cardiaque, un empoisonnement, des convulsions, un choc septique. Et du coup, pour mettre en place ce programme en présentiel, il y a eu une alliance, un travail conjoint entre Abbott, qui a financé l'entraînement, Pedistars, qui était l'équipe pédagogique indienne spécialisée dans le domaine, et puis notre équipe LaRDAL, qui a mis à disposition les ressources SIM Capture et qui a aidé à faire le développement. L'idée, du coup, c'était une formation sur une semaine, avec lundi, le briefing des participants et la démonstration de l'interface, le mardi, la réalisation des pré-tests, le mercredi, le partage des documents pédagogiques avec les liens vers les différents scénarios qui allaient être proposés aux étudiants, le jeudi et le vendredi, les vidéos des scénarios, c'est-à-dire des prises en charge qui sont mis à disposition, et là les participants devaient reviewer les vidéos de prise en charge, les annoter, partager leurs réflexions qui étaient et tests qui étaient analysés le samedi par les professeurs, avec le dimanche le débriefing de l'ensemble des participants par le corps professoral. Et donc, assez classiquement, après le débriefing, post-test et évaluation de la formation, questionnaire de satisfaction et grille de sentiment d'efficacité professionnelle. Le concept, c'était vraiment de montrer que il ne faut pas se mettre de barrière sur ce qu'on peut faire en distanciel ou les mélanges qu'on peut faire distanciel-présentiel, parce que la technologie le permet maintenant. On a tous vécu ça, le Covid aura au moins eu cet avantage, c'est de nous faire prendre conscience que les outils informatiques nous permettaient quand même de faire beaucoup, beaucoup de choses sans avoir à se déplacer physiquement à chaque fois.
Pour conclure, et avant qu'on passe à la lecture du chat et aux questions, vous l'aurez dans l'enregistrement du webinaire, mais j'ai fait une sélection vraiment très personnelle. Beaucoup de nurse education, beaucoup d'articles faits par des paramédicaux pour les paramédicaux, parce que je pense que c'est vraiment un axe de développement qui est majeur actuellement pour la mise en place des ECOS. Le lien vers l'excellent bulletin pédagogique de janvier 2021 de la SOFRACIM qui traite des ECOS et sur lequel il y a des informations passionnantes sur d'où ça vient, pourquoi c'est mis en place et comment ça marche. Quelques références du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, parce que c'est vraiment une zone qui bouge bien et où je pense que c'est intéressant de jeter un œil sur ce qu'ils font, parce qu'il y a souvent des idées très fraîches et novatrices. Et puis, un lien vers un article tout récent de mai 2022, avec un retour d'expérience, de 13 ans d'expérience de l'équipe de Rouen sur la mise en place des ECOS comme examen validant des compétences cliniques des étudiants en médecine. Article passionnant et par une équipe hyper efficace. Alors, il y en a beaucoup d'autres en France, des équipes hyper efficaces, mais cet article est récent et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. J'espère que vous en prendrez également. Je vous remercie pour votre attention, d'avoir été patient, de ne pas être parti, car j'ai l'impression que nous n'avons pas perdu trop de monde pendant ce webinar, ce qui est plutôt bon signe. Et je vais laisser la main à Gérard pour les questions. Oui, merci Francis pour ce webinaire, ce contenu passionnant. Effectivement, tout le monde est resté avec nous et c'est toujours un bon signe en tout cas. Et nous avons quelques questions, alors je vais me permettre de te les poser. N'hésitez pas, vous pouvez encore en poser. Nous avons encore un petit peu de temps, nous avons un quart d'heure pour y répondre. Francis, la première question, quelle est la différence entre ECOS finalement et simulation en santé? Donc, ce que je perçois, c'est le format en fait qui est vraisemblablement différent. Complètement. Non, c'est une excellente question et qu'elle soit posée prouve que j'ai probablement été trop rapide dans la discussion. En fait, la simulation en santé, ça va regrouper toutes les pratiques qui utilisent des simulateurs, ça peut être des simulateurs humains, ça peut être des simulateurs synthétiques, de la réalité virtuelle, de la simulation informatique, pour s'entraîner à mieux prendre en charge les patients, pour faire simple. Donc ça va couvrir un panel d'exercices ou d'outils ou de méthodes assez large. Et la simulation en santé, du coup, va s'utiliser effectivement en formatif principalement, et de temps en temps en certificatif. Et dans ce panel d'outils ou de méthodes proposées de concepts proposés par la simulation en santé, eh bien, on va en choisir quelques-uns, souvent de la simulation procédurale ou de la simulation d'entretien, pour organiser les ateliers d'ECOS. C'est-à-dire que les ateliers de notre examen ECOS vont regrouper eh bien, sur les 8 ateliers, peut-être 4 simulateurs procéduraux et puis 4 entretiens patients ou entretiens familles. Donc, ce sont effectivement des techniques de simulation utilisées dans le cadre de l'examen. Et je vois une deuxième partie à sa question qui était l'examen, l'aspect évaluateur certifiant ne risque-t-il pas de créer un biais cassant de réalisme vis-à-vis du stress généré par l'enjeu? C'est une remarque que je trouve très pertinente et très juste. Bien entendu, le fait qu'il y ait un stress généré par le fait que l'examen soit certificatif, eh bien, il faut le prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que les élèves aient accès à un examen similaire à blanc, on va dire, un peu comme nos bacheliers ont passé le bac blanc avant de passer le vrai bac, pour prendre en compte les conditions d'examen en formatif, sans enjeu. Avant d'aller au vrai. Comme pour le permis de conduire, on s'entraîne à conduire avec le moniteur, on passe un faux examen avant d'aller passer l'épreuve certificative. Une autre question, Francis, quand l'ECOS, pardon, utilise un patient standardisé, est-ce que ce patient participe à l'évaluation? Si oui, à partir de quels critères? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux du professeur? Alors, ce n'est pas une obligation. Alors,
C'est pas une obligation qui participe à l'évaluation, c'est une possibilité. Donc, dans les guides d'organisation des Écosses, c'est une possibilité qui est tout à fait mise en avant. Et les critères ne sont pas forcément les mêmes que le professeur, mais les critères sont forcément définis par le corps professoral. C'est-à-dire que l'évaluation qui est remplie par le patient standardisé va correspondre à, on va demander à l'acteur de répondre à des questions, et les questions qui ont été mises en place par l'équipe d'enseignants. Et l'idée est souvent, encore une fois, ce n'est pas une affirmation nette et définitive, mais l'idée est souvent que le patient a finalement une analyse de la communication qu'on a eue avec lui qui est plus fine que ce que pourrait avoir un œil extérieur sur des points qui vont être, par exemple, le non-verbal, par exemple, le contact verbal, le contact des yeux, par exemple, le faciès, qui sont souvent des choses qui sont difficiles à évaluer depuis l'extérieur. Et donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais qui n'est pas obligatoire. Puisque nous sommes sur le feedback aussi, une autre question, alors je ne suis pas complètement sûr de tout comprendre, mais je vais essayer de reformuler. Je comprends l'intérêt du feedback, mais est-ce une étape obligatoire, quel que soit le niveau des apprenants? C'est comme ça que je comprends la question. Il y a un problème de temps imparti, évidemment, dans le cadre d'un examen. Et est-ce que l'on ne perd pas un petit peu de surprise dans le sujet pour les étudiants suivants? Tout à fait. Alors le feedback, il faut comprendre que ça marche dans les deux sens. Il y a un premier feedback qui est en fait ce qu'on va collecter de la part de l'étudiant. Et ça, on peut pas s'en passer. On veut pouvoir observer, comprendre, poser des questions à l'étudiant pour voir comment, on va dire, quels sont les processus qui se passent dans sa tête au moment de réaliser tel ou tel geste, ou au moment de réfléchir à telle situation, d'analyser une situation, de prendre une décision. Donc ça, on a besoin de ces données qui viennent de l'étudiant pour pouvoir comprendre son raisonnement et derrière lui prodiguer des conseils. Et ça, c'est le feedback qui va redescendre du corps professoral vers l'étudiant. On va essayer bien de lui faire prendre conscience des axes d'amélioration, mais aussi de ses points forts pour qu'il puisse continuer à avancer dans sa pratique professionnelle. C'est certain que dans le cadre d'un examen certificatif, le feedback de l'étudiant A, il n'est pas partagé avec l'étudiant B. Contrairement à une simulation en santé classique, comme on peut l'imaginer, où il y aurait un groupe de trois ou quatre qui va travailler sur un patient, et puis il y en a huit autres qui regardent la scène via les caméras, puis derrière on débriefe tous ensemble. Dans le cadre d'un examen certificatif, ça, c'est pas possible, parce qu'effectivement, les étudiants suivants ne peuvent pas entrer dans l'atelier avec déjà le retour de leur prédécesseur. Ça pourrait être considéré comme une aide. Donc, le feedback descendant, oui, bien entendu, ça paraît capital dans le cadre de formatif, parce que passer un examen, c'est bien, mais si derrière on n'en tire pas d'enseignement, et si le corps professoral, vous n'êtes pas en tirer des enseignements, ça perd un peu de son intérêt. Il faut réfléchir à ce qu'on a fait si on veut en tirer des avantages. Dans le cadre d'un examen certificatif, le feedback se fait souvent d'une manière plus concise, parfois se fait pas en descendant, et en tous les cas, jamais vers les étudiants, qui ne sont pas ceux qui ont participé directement à l'atelier. En tout cas, c'est ma vision de la réponse à cette question. Merci Francis. À quelle échéance interviendra l'obligation des ECOS? Alors, c'est pour les études de médecine, si je ne dis pas de bêtises, ça va être la loi santé de 2022, avec une mise en place qui a été reculée en 2023 pour cause de Covid. Mais ça mériterait un petit search Google. Et je pense que c'est 2023, la mise en place, on va dire, administrative obligatoire pour les études de médecine, en sachant que beaucoup d'universités, de facultés ont déjà pris les devants et sont déjà en train d'implémenter, ou ont déjà implémenté, ou ont sérieusement réfléchi à l'implémentation. Donc, a priori, tout le monde a l'air d'être en ordre de bataille pour 2023. J'ai pas connaissance d'obligation administrative pour les écoles paramédicales, mais ça mériterait une vérification. D'ailleurs,
quelqu'un dans la salle a des infos là-dessus et veut les mettre dans le chat, ce sera avec plaisir. Alors justement, enfin, par rapport au paramédical, j'avais ces questions. Les écoles paramédicales utilisent-elles des ECOS? Donc on vient d'avoir la réponse. Et puis une personne qui justement demandait si une équipe d'IFSI a déjà mis en place les ECOS. Donc effectivement, n'hésitez pas à partager cela avec nous dans le chat. Est-ce qu'il existe une banque de données bonnes pratiques de soins infirmiers en France? Ah, très bonne question. Voilà. Alors, Il y a un programme toujours. je suis quasiment certain que oui. Alors, le programme des études a été refondé il y a peu. Et n'étant pas formateur en IFSI, je ne suis pas le plus familier pour répondre à cette question. Néanmoins, dans mon esprit, les différents modules sont clairement décrits et sont décrits en termes de compétences. Donc, c'est tout à fait adapté à une lecture par les Écosses. Et il y a également des banques de données de bonnes pratiques pour les soins techniques, sous la forme de fiches techniques correspondant aux différents soins qui sont enseignés à l'école. Donc oui, il y a une banque de données de bonnes pratiques. Après, est-ce qu'elle est nationale ou régionale? Je voudrais pas dire de bêtises. Je pense qu'elle est nationale, mais ça mériterait une confirmation plus franche. Dans le cas d'un ECOS en distanciel, la latence des réponses du mannequin n'altère pas la spontanéité de l'étudiant. Alors, dans le cadre des écoles en distanciel, c'est assez rarement fait avec un mannequin haute fidélité, c'est-à-dire avec un mannequin piloté à distance par les formateurs. Ce n'est pas impossible. On a une équipe australienne à Adélaïde, par exemple, qui fait des systèmes de lecture de CG via un simulateur haute fidélité et que les étudiants peuvent reviewer à distance. Mais la plupart du temps, les écoles en distanciel, on aura surtout des interactions humaines, c'est-à-dire soignants-soignés, et on aura également des interactions avec des simulateurs inertes, type simulateurs procéduraux, bras de perfusion, tête d'intubation, tête pour la mise en place d'une sonde gastrique, bassin avec un méa pour la mise en place d'une sonde urinaire. Donc on sera plutôt sur ce type d'épreuve ou d'exercice sur du matériel inerte plutôt qu'avec de la haute fidélité. Alors j'ai deux questions concernant SimCapture. La première, c'est est-ce que votre système d'organisation et de gestion des ECOS peut s'interfacer avec les LMS de nos facs? Et la seconde, c'est puis-je utiliser SimCapture avec mon système vidéo actuel? Alors, oui, le système peut s'interfacer avec les LMS de nos facs. On a eu une discussion assez récemment avec le service informatique et de développement aussi bien de notre côté que du côté d'une université française. Donc oui, on utilise notre logiciel, utilise des systèmes API qui sont également utilisés par les logiciels des facs. Et donc il y a des interfaçages possibles en termes d'échange de données. Donc on peut tout à fait imaginer que le logiciel SimCapture, bien, les données collectées par le logiciel SimCapture, les résultats de l'examen par exemple, bien, soient automatiquement transférés vers le système de suivi des résultats de la faculté. Ça, c'est des systèmes qui sont parfaitement faisables. Faut-il disposer d'un informaticien dans les locaux pour la mise en place et le temps des épreuves? Alors, il est capital que le service informatique soit partie prenante dès le début dans ce type de projet. C'est quelque chose qui, il y a 10 ans, on ne faisait pas systématiquement quand on mettait en place de la simulation ou des pédagogies innovantes chez nos clients. On n'avait pas toujours la démarche d'aller voir les services informatiques de l'établissement et d'anticiper avec eux la mise en place des systèmes. Là, on va être sur des systèmes où il y aura forcément du réseau. C'est-à-dire, si on a des caméras, ce sont des caméras réseau. Si on a un serveur cloud, il faut une connexion Internet entre les différents ordinateurs et le serveur. Donc, il faut que les informaticiens ils soient dans la boucle dès le départ. Après, est-ce qu'il faut qu'ils soient sur site? Je pense que ça dépend beaucoup de la taille de l'examen et de la configuration des lieux. C'est sûr que c'est mieux. Après, est-ce que c'est indispensable?
j'aurais quand même tendance à préconiser qu'il soit joignable le jour de l'examen, et idéalement sur l'heure précédant le début des épreuves, de manière à ce que, si à l'allumage du système, eh bien on s'aperçoit que pendant la nuit de samedi à dimanche, il y a eu plein de mises à jour et qu'il faut remettre une adresse ou relancer une machine, eh bien les formateurs ne soient pas trop stressés par ce petit aléa. Absolument. Il y a un échange que je trouve intéressant dans le chat. Une personne qui demande si réaliser un ECOS aujourd'hui dans la formation des IDE et des AS ce serait reconnu comme moyen certificatif. Et une autre personne répond, qui visiblement travaille dans un IFSI, qui dit non, nous sommes en pleine certification Calliope et les ECOS ne sont absolument pas reconnus comme certificatives. Mais on en revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, rien d'officiel en termes d'ECOS pour les écoles paramédicales. Oui, mais il faut garder en tête que ça va venir. Que ça va Ça va venir, venir. absolument. Oui, Absolument. le monde anglo-saxon est déjà là-dessus pour les paramédicaux. Le monde médical en France s'y met à toute vitesse. Ça va arriver dans le monde parapical, j'en suis convaincu. Monsieur Doucet, je peux me permettre de le citer parce qu'il l'a mis dans le chat. Donc, effectivement, tout le monde lit ça. Pour information, je viens de réaliser un ECOS pour la validation du bloc 2 dans la formation des aides-soignants. Alors, moi, j'ai une question pour vous, monsieur Doucet. Est-ce que ça rentre dans le cadre d'un programme officiel ou bien est-ce que c'est une initiative que vous avez prise par vous-même? Peut-être laisser le temps à Monsieur Doucet de nous répondre. J'avais une question encore, Francis. Quelles sont les compétences spécifiques d'un formateur pour construire des ECOS? Déjà, il faut se familiariser, il faut prendre le temps, à mon avis, de bien comprendre le concept. Et du coup, il faut lire les guides de bonne pratique des Écosses. Alors, il y a le papier de la Sofracim qui me paraît être une excellente introduction. Et derrière, il faut se pencher sur les guides que publient les sociétés savantes françaises et européennes. Manière à bien comprendre les tenants et les aboutissants. Il y a quelques exemples dans les références biblio, mais c'est loin d'être exhaustif ce que j'ai mis sur les références. Ensuite, il faut passer du temps et il ne faut pas négliger la phase de préparation. C'est-à-dire que ce qui est important, mais comme toujours, ce qui est important, ce sont les objectifs pédagogiques. Il faut que les objectifs pédagogiques soient bien rédigés, ils soient clairs, ils soient atteignables, ils soient objectivables, ils soient mesurables. Derrière, il faut construire chaque atelier de manière à observer ses objectifs pédagogiques et il faut avoir une grille d'observation en rapport avec ses objectifs pédagogiques et cet atelier qui permettent eh bien, de pouvoir clairement définir sur quels critères l'objectif est accompli ou pas et du coup d'avoir une notation qui soit juste. Donc, la compétence principale, à mon avis, pour construire les Écosses, parce que la question c'est comment les construire, eh bien, c'est d'être à l'aise avec la définition et l'évaluation de l'atteinte d'objectifs pédagogiques. Très bien, je vois aussi dans le chat que des personnes ont mis en place, en tout cas ont réalisé des ECOS. Et dans ce cas-là, dans un institut de soins infirmiers pour le côté formatif et pas nécessairement certificatif en tout cas. Moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que je Moi vois aussi. plein de mots dans le chat où les paramédicaux, ils ne sont pas à la traîne et ça se met en place et il y a des expérimentations et effectivement en formatif. Hein, mais moi, je trouve ça absolument génial. Absolument génial. Et effectivement, j'ai une remarque aussi dans le chat de Monsieur Le Riche. On peut utiliser tout à fait les téléphones portables. J'en ai pas parlé beaucoup, beaucoup, mais c'est pas forcément des investissements en équipement très lourd. Quelques téléphones portables et un serveur cloud, du coup, qui n'est pas un investissement matériel en lui-même, eh bien, ça permet de commencer à se filmer et à débriefer ce qui s'est passé.
Donc c'est tout à fait intéressant. notamment sur le distanciel, effectivement. Écoutez, je crois que nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Nous avons dépassé d'une minute. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il n'y a plus de questions. Bon, bien évidemment, nous restons à votre disposition, à votre écoute pour les questions complémentaires que vous pourriez avoir. Je vous rappelle que vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire. Et bien, pour ma part, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à ce dernier, d'avoir posé plein de questions. Et nous vous disons à très très bientôt. Merci Francis, merci infiniment pour ce partage, un d'expérience et deux de connaissances. Et à très bientôt à tous. Bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir.